Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Mehoun. Il fait moins de 10 degrés pour un sudiste, ça fait froid. Le jour commence à se lever et ça va grimper fort et de belles descentes en perspective, alors restez jusqu'au bout de la vidéo. Allez les amis, on est parti. Petit tronçon de route pour arriver jusqu'à la chapelle de Montrieux. Et on va se faire d'entrée la terrible montée des Allemands. Ça va piquer sévère. J'ai déjà envie de faire demi-tour. La Chartreuse. Les VAE. La Chartreuse. Les VAE. Et la Chartreuse. Et les copains. Regardez moi ce beau Montera. Eh oui, tout beau. Voir comme El Diablo le magnifique. Ah. Aujourd'hui je vais faire parler la poudre. Et voilà, c'est parti d'aller single. Je me suis pas arrêté là, j'ai continué direct parce que pas la grande forme ce matin. Ça va être compliqué. Je redoute cette montée des Allemands. Enfin, au bout de celle-là, on verra bien. Qu'est-ce que t'en penses? Très bien, début très bien, très bien. Venu rouler avec nous par la chaîne. Voilà, ça fait plaisir. Absolument. En voisin. Au top, au top, en voisin, voilà. Toujours un petit single de rêve. Et on n'a toujours pas attaqué l'air. Terrible montée des Allemands que je redoute. J'ai pas envie. Je suis mort. Bon, bonne nouvelle, je viens d'apprendre qu'on finalement on fait pas la montée des Allemands. Mais ça va être dur. Je sais même pas si je vais y arriver au bout aujourd'hui. Compliqué. Allez, on va essayer de remonter sur le vélo. Ouais. Toujours pas fini, ça monte toujours. Piste un peu plus large. Ah, je me refais un peu là parce que je suis en souffrance aujourd'hui physiquement. Coucou. Ça pédale toujours dans de superbes singles. Que du bon VTT. On y va, Vélichou ! Prends ma roue ! Allez, Vélichou, tu suis ? Ma petite caillette ! Allez, ça descendouille un peu les enfants. On y va. Et merde, marche plus ce GoPro derrière. J'ai encore entendu bugger. Salope. Allez, voilà. Encore un joli point de vue. Bon, juste pour vous dire que je vais refaire le test de la GoPro Hero 8 et 9 écran coupé sur la dernière descente parce que ça secoue beaucoup. Et contrairement à la dernière fois, je vais alterner les deux caméras sur les deux supports parce que je pense que ça a un petit peu tronqué la stabilisation de la 8 la dernière fois. Donc là, ça sera un essai plus juste. Ouh. Hein ?
Hop. Ah, Jackie ! Allez, c'est reparti pour un petit peu de montée. On passe deux petites belles descentes. Allez, c'est cadeau. Faites-vous plaisir, restez-vous les yeux. Bon ben, celle-là par contre, on n'a pas pu l'éviter. Celle-là, je peux te dire qu'est le pic sévère. Très rare les fois où on arrive à monter sur le vélo. J'ai glissé, chef. Oh, tant que de pas la monter dessus, je suis... Ah putain, j'en peux plus. J'en démarre. Je veux rentrer à la maison. Bon allez, c'est reparti du même endroit. Hein. On recommence. Hein. Pas déconner quand même. Ah putain. Ça, quand t'es fatigué, t'es plus lucide. Même en montée, ça. Ça va plus. Putain, j'arrive pas encore une fois. Cagué. Patou, tu l'as monté? Ah non, ça me rassure. Oh putain. Putain, ils ont tout ravagé. C'est plus aussi bon qu'avant. Oh putain, ils ont tout glissé. Sans déconner. Oh, ils ont tout ravagé. C'était plein de petites marches. Un peu technique, c'était super bien sympa. C'est tout ravagé. Ça, dégoûté, encore une fois. Après, on nous dit à nous qu'on abîme. Enfin, je sais même pas quoi dire. Ça me déprime. Ah, ils sont chauds patates, hein. Ils sont chauds patates. Et, dernier petit coup de pédale en sous-bois et on va chercher la belle descente attendue. On y va. On va oublier tout ça et on va se faire plaisir en descente. Une petite descente technique, c'était ça. Alors ça, bien sûr, faut arriver toujours à regarder une petite vitesse. Et Pierre, elle vous arrête. Et vous perdez le contrôle du vélo. Surtout. Ouah, tordu du string. Un petit peu du fil, vous voyez, on arrive à passer. Tout ce qui me fait peur, c'est ce fil tendu sur le côté, parce que si je prends le guidon en même temps, là, pour ça que ça m'a fait ralentir là, un peu trop. Ah, il y a mal un truc. Ah,
Ah non, je fais frein. Allez, papa. C'est bon. C'est bon, Seb. Lâche-toi. Ah, je suis fier de moi aujourd'hui. J'ai pas trop d'appréhension. J'arrive un peu plus me détendre. Et je vais faire plaisir à certains. J'ai mis des genoux hier. J'ai pas les coudières parce que la taille que j'ai pris elle était trop petite. Mais déjà, j'ai les genoux hier. Là ça veut bien marcher, deuxième essai. Donc on a l'aéro 8 sur le plastron et l'aéro 9 sur le support épaule qui lui doit se balader un petit peu plus, et je pense que la différence vient de là sur la vidéo de dimanche dernier, parce que je trouve qu'il y a une grosse différence, c'est pas normal. Voilà, et après on alterne, on remettra la 8 sur l'épaule. Et la 9 sur le plastron. Allez, l'aéro 8 est reparti sur l'épaule et la 9 au plastron. Et là, ça va se resecouer un petit peu. Voilà, du coup, là, je pense qu'on va, pouvoir vraiment voir la différence. Et pas comme la dernière fois, pas comme dimanche dernier, j'ai pas pensé du tout. Veuillez d'ailleurs m'en excuser. J'ai pas l'habitude de tester tout ça. Et ça a été une erreur de ma part de ne pas prendre en compte les différents supports. Et pour ceux qui m'ont demandé aussi, c'est les réglages d'origine. L'ISO il est minimum à 100 et maximum à 1600. Voilà, c'est les réglages que j'ai sur la cam. Les deux. Et bien sûr, les deux modes boost activés. Allez, on refile quelques coups de pédale avant de prendre la dernière descente qui va nous ramener aux voitures. Là, finalement, malgré la fatigue, je me suis bien senti en descente. Ça fait longtemps même que je me suis peut-être pas aussi bien senti. Ça fait du bien de se lâcher un petit peu. C'est bon. Ça va remonter là. Ça, c'est un petit morceau qui a été ouvert par les chasseurs locaux. Toujours une pensée pour vous quand on la prend. Merci beaucoup les gars. Franchement, un régal. On se régale grâce à vous. Je sais le travail que c'est. Piégeuse, ça vit juste un peu. Ouais, je sais pas si c'est. Je vois qu'il y a beaucoup de branches mises en travers. Je sais pas si ça serait pas des personnes malveillantes. On viendra les enlever un peu plus tard. Oh putain, j'espère que vous vous régalez à la voir en vidéo autant que. Moi j'ai de la descente. Voilà, petit passage technique raide, petite marche, ouais. Super.
Il envoie notre breton, là. Il envoie notre breton. Non, pas par là-bas, pas par là-bas. Reviens. Non, c'est pas là-bas. Ouais. Oulala, figure de style, Gabi, t'as eu du cul là. Gabi. Oh, c'est bon ça. Marche. Droite, gauche. J'avais laissé de la distance. Ouais. Je biscuit un peu. Manque un chouille de vitesse. Mais ça passe. Heureusement qu'il y a Jackie devant qui mène la danse. Jackie, il descend aussi bien que ce qu'il monte. Un tueur à gage en montée, un tueur à gage en descente, et il est en plus sur un semi-rigide. Pas belle la vie? Allez, on y est. On clôture, on sort. Mon petit Jackie, ah, ça va? Ça va. Alors, venu de Lille, il s'est rabattu avec nous, il n'y avait pas le Rock d'Azur. Hein. Du coup, franchement, ouais, franchement, ça t'a fait oublier le Rock ou pas? Ouais, non, au top. Au, hein, top. Au top. Merci en tout cas. Tu viendras revenir sur nos sentiers? Et puis nous, on essaiera de venir un jour dans le Schnorr. Bon, après, franchement, ils sont dopés, les gens du Schnorr, parce qu'ils roulent 12 mois sur 12 dans la boue. Dès que du coup c'est sec, je te dis pas la patate qu'il avait dans les montées. Non, mais c'est... Bon niveau, très bon niveau. Ouh, que ça va faire. Allez, mange. Putain. Merci Jean-Louis. Hop, 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 madame. Merci Jean-Louis. Ah, tu peux me la donner, j'enlève pas la peau. Mais ça, non, c'est pas bon, bon, mais voilà, pour, sur cet apéro d'anthologie. Jouni, à la prochaine. Ciao tout le monde.